Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, édition spéciale ce soir consacrée au Covid-19. On va faire le point sur les mesures annoncées par le président de la République hier. Et on va en parler tout au long de cette soirée avec vous, Bastien Loquet. Et oui, parce que forcément, en raison de la situation que l'on connaît, bien TV7 aussi se met au goût du jour, si on peut dire ainsi. Ainsi, tous les soirs sur TV7, entre 18h et 19h, vous aurez la possibilité d'avoir les questions. Les réponses à vos questions. Et pour cela, nous allons ouvrir, nous avons ouvert, dès maintenant, vous le voyez, une adresse mail. Il s'agit de info-covid-19@tv7.com. C'est simple, vous posez vos questions et nous aurons des spécialistes qui y répondront, soit par téléphone, soit bien évidemment par Skype, parce que nous prenons aussi nos précautions concernant ce qui se passe dans le studio et nous allons limiter le plus possible, bien évidemment, le nombre de personnes dans ce studio. Cela dit, nous sommes bien évidemment présents sur le front de l'info. Mais comme ça a été le cas, vous l'avez vu, avec la conférence de presse de l'ARS, et puis également, d'autres conférences de presse ont eu lieu, notamment Christophe Chavanneau, ça sera régulier, semble-t-il, du côté de la préfecture, un point quotidien au téléphone auquel vous avez pu assister. Oui, effectivement, c'est le premier du genre aujourd'hui à 16h30 avec les services de la préfecture, mais aussi ceux de l'ARS, de la police et de la gendarmerie. Il était question éventuellement de mettre ce point quotidien d'information régulier. Premières infos, c'est histoire de faire un petit point sur cette première journée de confinement total à Bordeaux, notamment avec les services de police et gendarmerie, savoir comment s'était passée cette première mise au confinement et aux restrictions de circulation avec les forces de l'ordre. Oui, parce qu'on l'a vu sur vos images, il y a des contrôles, des personnes qui sont déjà contrôlées en France. Ils ont déjà commencé. Ce sont des contrôles qui sont pour la plupart, notamment pour la police, aux trois quarts des contrôles qui sont avec la population pour vérifier si elle a l'attestation. Ce sont des contrôles pédagogiques. On fait de la pédagogie et puis pour un quart, ils ont aussi remis les documents aux personnes afin qu'ils puissent circuler et remplir ces documents librement en zone gendarmerie. Par contre, beaucoup d'appels au centre opérationnel pour avoir des questions, notamment sur le Covid-19, qui parasite notamment l'activité normale du centre d'appel avec, entre guillemets, le service de police secours. 358 personnes sont déployées sur le département pour la zone gendarmerie et 70 points de contrôle mobiles et fixes ont été relevés aujourd'hui. Pas de contravention encore mise sur les contrôles effectués. C'est une organisation dans le temps. Emmanuel Macron l'a dit hier lors de son allocution, il y aura bien des contrôles et des sanctions si les règles ne sont pas respectées. D'ailleurs, nous reviendrons certainement dans un prochain rendez-vous sur la façon dont on doit se servir de ces fameuses attestation, parce que tout le monde ne le sait pas. On vous expliquera tout cela bientôt sur TV7. Dernier point, celui, bien évidemment, on en a parlé avec le directeur de l'ARS il y a quelques instants, mais il a souligné une question qu'on lui a posée concernant l'afflux des Franciliens qui ont pris leurs jambes à leur cou à travers les déplacements en train et en voiture pour venir notamment dans la région, sur la presqu'île du Ferré ou encore en Charente-Maritime sur l'île de Ré. L'île de Ré qui a connu, qui avait son pont aussi saturé qu'un mois d'août en plein été. Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle, ni une bonne manière d'agir quand ce qu'on demande aux gens de se confiner, que ce soit sur sa résidence principale et non pas sur la résidence secondaire. Donc l'idée, c'est qu'une fois passé ce transport, il est impératif de ne pas faire des réunions apéritives avec les voisins comme pour l'été, mais de respecter les consignes de confinement à sa résidence secondaire. Voilà. Et pas on a beau être dans sa résidence secondaire, ce ne sont pas pour autant les vacances. Et d'ailleurs, exactement, si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, il y a eu un tag pas forcément très, très sympathique du côté du Cap Ferré, hein, si ma mémoire est bonne, Paris Gogo Home, encore une fois, quelque chose comme ça. Donc voilà, les conférences de presse se sont succédées aujourd'hui. Je vous propose de revenir sur celle qui a été tenue cette fois au CHU de Bordeaux. Alors, regardez bien les images et ce qui va suivre. Il y a effectivement tous les professionnels du CHU, mais aussi des représentants de l'ARS. Il y a parmi eux le professeur Denis Malvy. Lui, il est responsable de l'unité de maladies tropicales et du voyageur au CHU de Bordeaux. Il fait partie des scientifiques réunis régulièrement à Paris. Vous allez le voir.
la conférence de presse se déroule et le professeur Malvy est masqué. Regardez bien ce qui se passe avec le micro et regardez bien aussi ce qu'il dit de ce port du masque. Écoutez, regardez. Merci, monsieur le directeur. Chers amis, c'est un besoin pour tout le monde. Parfait. Mais ça ne va pas être assez proche. Étant symptomatique et en attendant le résultat de mon dépistage, je suis devant vous masqué, mais toujours au travail avec un professionnel de santé. Et nous sommes dans la rubrique selon laquelle des professionnels de santé symptomatiques peuvent, moyennant l'adoption des mesures barrières, continuer à être présents sur leur site d'exercice. Par contre, je prends quelques mesures provisoires en main de précaution en évitant de toucher de manière inutile. Là, ce ne serait pas tout à fait inutile, mais en tout cas, c'est pertinent. Des objets qui pourraient être ultérieurement partagés sans avoir pu être décontaminés à titre préventif. Voilà, pour cette scène assez impressionnante où on voit, il vient de le dire, le professeur Malvy annoncer qu'il est symptomatique, qu'il attend les résultats de son test, mais qu'il est malgré tout sur place. Et on voit vraiment ce geste de ne pas vouloir toucher le moindre objet qui ne soit pas désinfecté. C'est effectivement ce genre de règles qu'il faut avoir aussi entre nous au quotidien, chez vous, comme encore plus ici au travail. Alors justement, on se pose pas mal de questions, je vous le disais, et tous les soirs, nous vous y répondrons sur TV7. Encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser vos questions sur l'adresse mail qui s'affiche en dessous de cet écran. Il y a avec moi le docteur Nicolas Brugère. Bonsoir. Oui, bonsoir. Brugère. Bonsoir. Vous êtes avec nous ? Au téléphone, vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends très bien, docteur Brugère. Alors, rapidement, parce que je sais qu'à partir de 19h, dans un instant donc, vous serez au centre 15 pour gérer un petit peu la situation. La question est très simple, docteur Brugère. Quels sont les symptômes à partir duquel il faut s'inquiéter d'un éventuel cas de Covid ? Très rapidement. Vous avez vu Abdel Malvy, à qui je présente toutes mes amitiés, et voilà un professionnel comme tant de professionnels au front, l'atout. De la fièvre, des maux de tête, des céphalées, une fatigue, une asthénie et parfois même des signes digestifs, des diarrhées. Hein. Voilà les signes de base qui font qu'il faut qu'on se méfie et à partir duquel, sauf si on est un professionnel de santé, parce qu'on a besoin de tous les professionnels de santé sur le terrain, on se confine et on se confine soi-même et on confine toutes les personnes autour de soi, c'est-à-dire que si maman est malade, elle reste avec ses enfants. Si le père est autour, on reste tous à la maison. Le confinement est fondamental. Voilà, merci beaucoup Nicolas Brugère pour cette petite intervention. Je voudrais juste rajouter qu'il ne faut pas appeler le centre 15. Il faut vraiment laisser le centre 15 pour les cas de gravité, c'est-à-dire j'ai une insuffisance respiratoire, je suis très essoufflé. Et le reste, tous les autres appels, si j'ai des signes cliniques, j'appelle mon médecin traitant. Si je n'ai pas de signes cliniques et que je veux des renseignements, j'appelle le 0800 130 000. 0800 130 000. Il faut vraiment le congestionner. Ça bloque beaucoup de choses. Merci beaucoup, docteur Brugère. On va arrêter là parce que la liaison au téléphone n'est pas forcément très belle, mais très bonne. Et c'est vrai, Sandrine, que ça a été encore une fois répété. Dominique Parmentier vient de le dire. Dominique l'a redit. Ça a été le cas de la conférence de presse de l'ARS. Il faut appeler le 15, mais en ayant les symptômes. Voilà. Déjà, sinon, on appelle son médecin traitant. Voilà, et on ne compose pas le 15 pour éviter justement de saturer l'engorgement. Et d'ailleurs, le docteur Brugère sera tout à l'heure au centre 15. Donc on rappelle les symptômes, toux, fièvre, maux de tête, éventuellement diarrhée. Et dans ces cas-là, on reste confiné, si j'ai bien compris, et on appelle son médecin traitant. Et c'est lui qui ensuite va gérer la situation éventuellement avec le centre 15. Et il y a ce numéro, le 0800 130 000. Voilà. Pour toutes les questions qui ne sont pas médicales. Et Nicolas Brugère, le docteur Brugère était avec nous la semaine dernière et il a rappelé les gestes barrières. Donc à savoir bien se laver les mains, éternuer dans son coude et respecter un mètre de distance entre les uns et les autres. Dont on nous rappelle constamment l'importance. Voilà, on est à peu près à 2 mètres. Je voulais vous dire, je pense que pour l'instant, potentiellement, ça va bien se passer. Voilà. En tout cas, donc, on l'a vu, nous ferons comme ça le point régulièrement, je le répète, mais c'est important parce que nous sommes là pour vous. Il y a donc l'adresse mail sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions sur le Covid, mais pas uniquement que vos questions, parce que vous savez que vous êtes maintenant en confinement, alors vous avez peut-être de bons
bons plans pour se maintenir en forme sans forcément faire du sport. Bah, si vous avez trouvé un bon truc, par exemple, tiens, pour faire en sorte que les enfants soient calmes pendant 2 heures, pourquoi pas nous en faire profiter ? Dites-nous un petit peu, témoignez-nous. Hein ? Ils feront leurs devoirs. Ils font leurs devoirs, voilà. Ah bah les, comment on fait faire ses devoirs, tiens, aux enfants ? Et comment vous passez votre temps en confinement ? Ça serait bien que vous puissiez témoigner avec Skype, avec WhatsApp, avec tous les moyens de communication que vous avez. Et vous aussi pour tout ça. Les personnes qui télétravaillent et qui doivent en plus garder les enfants à la maison et leur faire faire aux devoirs, ça aussi, mais ça nous intéresse, ce genre de témoignage. Voilà, c'est la double peine. N'hésitez pas à témoigner, c'est plutôt sympa, on est là pour vous. Et en ces temps difficiles, bah, on peut malgré tout avoir des relations entre nous grâce au métier, aux médias et notamment grâce à la télé. Le confinement, Christophe nous a montré des images d'un Bordeaux, c'est quoi, c'est un 1er mai, hein, quasiment. Hein. Même pas, un dimanche d'été, ça embarque encore moins de monde. Regardez, le centre-ville de Bordeaux. Ici, j'ai croisé une dizaine de personnes, c'était le grand maximum. Hein. J'ai même pris le bad cube tout seul, à l'aller comme au retour. Bon. C'était assez formidable, j'avais le bateau pour moi tout seul. Non, mais sinon, c'est assez frappant de voir ces images. En tout cas, la différence entre ce qui se passait dimanche sur les quais et... Oui, et même de façon plus habituelle, hein, sans avoir un excès de personnes sur un week-end, hein, de façon quotidienne, l'activité, ne serait-ce que générée, notamment on l'a vu sur rue Saint-Rémy, où il y a tous les restaurants à Bordeaux qui voient un monde à la mi-journée avec une affluence phénoménale. Là, il n'y avait proprement personne, seuls quelques artisans qui étaient là pour travailler sur les appartements. Alors, le confinement, effectivement, a été annoncé, donc, même si le mot n'a pas été prononcé par Emmanuel Macron dès hier soir. Et quelques temps après, il y a eu, sur le site de la mairie de Bordeaux, là aussi beaucoup d'informations pour vous être très utile sur le site de la mairie de Bordeaux. Vous aurez quelques adresses après. Il y a eu le site de la mairie de Bordeaux pour les informations. Et regardez, appel aussi au bénévolat. Ça aussi, c'est important pourquoi pas des propositions de services, garde d'enfants en course, etc. Vous pouvez être bénévole. Vous le voyez, une adresse, jeparticipe.bordeaux.fr. Et puis, sachez également que sur ce site de la mairie de Bordeaux, eh bien Nicolas Florian s'est adressé aux Bordelaises et aux Bordelais. Écoutez. Chers Bordelaises, chers Bordelais, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé à 20h. Comme il l'a dit, de nouvelles mesures seront en application à partir de demain, 12h. Ces mesures, quelles sont-elles ? D'abord, et je vous le demande, restez chez vous. Restons chez nous. Seuls les déplacements professionnels qui nécessite de se rendre à son travail. Et je vous demande de prendre contact avec vos employeurs avec qui vous travaillez pour limiter au maximum les déplacements, notamment dans les transports en commun. Restons chez nous. Dès demain, je fermerai l'ensemble des parcs publics. Nous veillerons avec la police municipale à faire respecter cette obligation de ne pas se rassembler, se retrouver sur l'espace public. C'est important. Il s'agit de se protéger, mais aussi de protéger les autres. En prenant soin de vous, vous prenez soin aussi de nos concitoyens. Depuis ce matin, nous avons assuré la continuité du service public. Les écoles ont été ouvertes pour accueillir les enfants de tous les personnels de santé. 200 enfants sont accueillis depuis ce matin dans les écoles bordelaises. Je redis à toutes celles et tous ceux qui occupent une fonction dans la santé, à l'hôpital, dans une clinique, qu'on accueille leurs enfants pour leur permettre d'assurer leur mission. Depuis ce matin, nous avons aussi assuré un service minimum de service public, ramassage des ordures, transport en commun. Pour que ça continue comme ça, respectons toutes ces règles de confinement, il faut dire le mot. De respect de tous ces gestes, de ne pas se regrouper, de ne pas se retrouver, afin que nous puissions organiser le service de proximité. Depuis aujourd'hui, nous réunissons dans chaque quartier tous les acteurs associatifs, toutes celles et tous ceux qui ont une action sociale et de solidarité. Un maillage a été mis en place. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos mairies de quartier. Depuis samedi matin, j'ai demandé à tous
tous les adjoints de quartier, tous les élus de quartier, de faire des permanences. Rapprochez-vous d'eux pour savoir quels sont les bons gestes, pour savoir si dans la mesure où vous avez des besoins, aller chercher des médicaments, faire des courses urgentes, que vous puissiez vous reposer sur toute cette solidarité de quartier. 250 de nos concitoyens se sont inscrits sur la plateforme de bénévolat pour rendre service. Vous pouvez compter sur eux. Rapprochez-vous des mairies de quartier et on vous mettra en contact avec eux. Tous les jours, je communiquerai en milieu de journée pour vous donner les informations utiles sur la façon de se comporter pendant les 15 jours qui sont devant nous. L'heure est grave, mais en respectant tous ces gestes, tous ces comportements, en respectant cette union, cette unité, cette solidarité, on pourra faire face. Et justement, hein, en ce qui concerne la solidarité, Nicolas Florian l'a rappelé. Et je vous rappelle donc qu'il est possible de s'inscrire comme bénévole via le site de la mairie de Bordeaux pour ne pas laisser justement les personnes isolées toutes seules, les personnes âgées par exemple, qui ne pourraient peut-être pas sortir tout simplement pour aller faire leurs courses, des courses de première nécessité. Voilà, pour l'appel au bénévolat, c'est jeparticipe.bordeaux.fr. Voilà, on voit l'adresse. Qui peut être utile. Exactement, et vous l'aviez évoqué il y a quelques minutes, Bastien. On va terminer avec vous par quelques autres informations pratiques. Parce que c'est toujours, alors, encore une fois, si vous avez des questions précises, je le répète, mais il faut le répéter, parce qu'on lance un petit peu la formule sur TV7, envoyez-nous vos questions, nous vous donnerons les réponses. Sachez que les équipes de la police municipale et des médiateurs sont sur le terrain pour rappeler les consignes, et sachez également que depuis lundi matin, le stationnement est gratuit à Bordeaux. C'est vrai que ça peut être un détail, mais qui peut avoir son importance. Des mesures ont également été précisées et rappelées par Bordeaux Métropole, qui assure 90% du service de collecte des déchets, mais qui doit réorganiser et adapter les collectes. Ainsi, pour les bacs noirs, pour les secteurs de passage deux fois ou plus par semaine, il est prévu au minimum une collecte par semaine. Donc, la collecte des déchets ménagers peut être perturbée et doit être revue, vous l'avez compris. L'ensemble des déchetteries est fermé également. Pour les transports, les services de transport en commun fonctionnent avec le personnel disponible, mais donc avec parfois un service un peu dégradé. Et puis, il y a également la priorité mise pour les trams qui vont du côté des établissements de santé. Les parcs et cimetières sont fermés, l'ensemble des parcs et jardins de la métropole sont également fermés au public. Et puis, il y a aussi, là, nous aurons d'ici demain ou après-demain, le président de la CCI de Bordeaux-Gironde pour les aides aux entreprises, hein, parce que c'est aussi un vrai problème. Les appels d'offres de Bordeaux Métropole sont allongés d'une période de 45 jours. Et pour les chantiers en cours, eh bien, l'arrêt des travaux relève de la décision des entreprises. Encore une fois, vous avez un site internet qui peut vous être très utile. Il s'agit de bordeaux-métropole.fr pour avoir davantage de précisions. Pas mal de choses vont bien évidemment changer en raison de cet appel au confinement. Les services publics n'accueillent plus le public, mais malgré tout, restent en service. C'est plutôt paradoxal, mais regardez par exemple du côté de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, il y a donc des dispositions qui sont prises, et notamment, encore une fois, c'est important, le site internet et ce numéro de téléphone, le 0810 25 33 10. Changement aussi pour la police en Gironde, toujours encore en raison de ce Covid. Et donc, vous le voyez, il faut maintenant signaler une infraction par des biais liés aux réseaux sociaux ou bien par pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. Là encore, toutes ces informations sont assez faciles à retrouver sur les réseaux sociaux. Juste une précision par rapport à tout ce que vous venez de dire, Bastien, pour bien sûr les atteintes aux personnes. Dans ce cas-là, il y a une prise en charge qui est assurée directement au commissariat de police. Vous pouvez vous rendre sur place et vous serez reçu, pas de problème. Précision par rapport à la gendarmerie aussi, parce que vous avez parlé de la police, mais la gendarmerie, c'est important, surtout sur les zones rurales. Donc bien sûr, leurs patrouilles se poursuivent de façon normal, notamment sur les zones commerciales qui sont fermées. Mais l'accueil en gendarmerie, en brigade, est maintenu, avec bien sûr des dispositions particulières pour éviter un trop grand nombre de personnes sur le lieu de rendez-vous.
on peut privilégier aussi les rendez-vous. C'est une disposition qui est mise en place aussi par la gendarmerie et par les brigades. Voilà. Voilà, donc pour ce que l'on pouvait dire concernant l'accueil du public, même du côté de l'hôtel de police hein, de Bordeaux, l'accueil, bien sûr, du public en cas d'agression est possible, mais avec là aussi des contraintes liées aux règles élémentaires en cette période de Covid. On va terminer par deux infos. Alors, les fans de Simple Minds se posaient la question. Vous saviez que Simple Minds devait passer à Bordeaux. Eh bien, c'est officiel depuis aujourd'hui. Le concert est reporté. Report du concert, pas annulation. Donc, j'en connais déjà qui font... Ah bon, on les verra, pas tout de suite, mais un petit peu plus tard. C'est pareil aussi pour pas mal de spectacles. Et puis alors, une info absolument hallucinante, vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux, et il y a cet appel solennel, entre guillemets, non, le cognac ne guérit pas du Covid-19. C'est assez étonnant. On a vu une espèce de montage hein, sur les réseaux sociaux. Il a fallu un démenti. Alors, ce n'est pas la peine de vous ruer sur les bouteilles de cognac. Le cognac ne sert pas à D'ailleurs, guérir le Covid. L'alcool, en général, ne facilite pas le soin et son il corps mieux, à lutter éviter. Contre les virus. Ah bien, tiens, une question à laquelle nous tenterons de répondre demain. Pourquoi faut-il éviter de prendre du paracétamol en ces périodes non. de... C'est l'ibuprofène, voilà, il faut prendre du paracétamol, mais pas d'ibuprofène. Bon, allez, parfois on se perd. Eh bien, justement, pourquoi ? Eh bien, nous aurons la réponse certainement demain. Mais encore une fois, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, vous voyez, comme par exemple, pourquoi ne peut-on pas utiliser tel ou tel médicament, etc. N'hésitez pas, aucune question n'est stupide, entre guillemets. Vous pouvez les poser, nous trouverons les réponses qui profiteront ainsi à tout le monde. Vous voyez l'adresse qui est sous votre écran, info-covid-19@tv7.com. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos vidéos, vos coups de gueule, vos coups de rire. Enfin bref, comment vous vous organisez lors de ce confinement? On va parler sport. Hein. Christophe m'a dit, tiens, je connais quelqu'un, moi, qui va peut-être nous parler de sport en confinement. Chakré Challenge. Oui, on verra s'il peut relever le défi. Allez, on va relever le défi tous ensemble. Et encore une fois, TV7 est là pour vous tous les soirs entre 18h et 19h. La preuve encore, concernant cette fois un côté économique, vous en aviez parlé dans votre journal hier, Sandrine, mais c'est ce qui concerne les entrepreneurs et notamment Nicolas César qui reçoit le patron de l'URSSAF en Gironde. À tout de suite avec Nicolas César et puis à demain.